Salut tout le monde. Yo, c'est Tromax809 et Pépé Lissot pour un nouvel épisode perdu dans le Triomphe des Bermudes. Donc Pépé Lissot, je sais pas où il est passé, il a disparu. Sur la grande tour en bedrock. Ah oui, je vois. Aujourd'hui on va retourner sur ce bateau là qu'on avait visité la dernière fois pour aller sur le gros cube orange. On peut aller directement. Oui, mais du coup tu m'as filé le bateau. Si tu veux, j'en ai deux autres en stock. La lave, il y a plein de charbon. Ah bah quoi. Cool. Oh là. Mon bateau. Non, tant pis. Attends, je me pose juste. Tu montes par là et moi par là. Ok, j'ai que dalle de bloc. On va faire avec ce qu'on a. Hein. Non, ah oui. Attends, regarde. Au-dessus de toi. Attends. Ok, merci. Ça devrait suffire. Bon, ok, il y a la moitié qui est tombée dans l'eau. Ah bah, j'ai plus rien, pas grave. Tadam. Oh, c'est magnifique. Je vais un peu par là. C'est vraiment dommage que j'ai pas de briquet. Hein. Je fais le tour par en bas, toi tu montes. Ouais, ok. Ah, je peux plus courir déjà. Pas le dernier film X-Men qui est sorti au cinéma. Non. Toi, oui, je pense. Oui. J'y suis allé le voir dernièrement. Et c'est bien. Et c'était, ouais, très bien. Ouais, ça va, ça a l'air pas mal. Il a l'air moins violent que les autres. Le seul souci, c'est que c'est toujours la même chose. Ah, attends, deck 1. Oh la vache, c'est sombre ici. Ah, j'ai rien du tout. C'est toujours la même chose, toujours la même histoire. Oh la vache, oh, tu devrais me rejoindre. Oh, il y a des pastèques, je vais en chercher. T'es où? Alors, attends, bah, je sais pas si tu vois mon pseudo. Normalement, quand tu pars de l'île, à la droite du truc orange, à Pâques. Attends, moi je monte tout en haut. Il y a une île, il y a des palmiers, il y a des pastèques, c'est énorme. Je vais récupérer les pastèques, moi. Je suis sur le toit des trucs au bout. Je lui fais tomber. Alors, il y a le gros porte-avions. Oh la vache. Je récupère toutes les pastèques. Il y en a 3 pour l'instant. Il me semblait qu'il fallait faire une ferme. Mais en attendant, j'ai mangé un peu, quand même. Moi, je suis en train de passer... Juste pour régler ma faim. Hein. C'est pas... On fera la ferme après. Là. C'est pas le truc avec les espèces de faux palmiers, là, fait en... Oui. C'est ça, bon j'en laisse 10 pour faire la ferme. Oh, j'ai trouvé d'autres pastèques. J'en ai un bloc de fer si tu veux. Ah, c'est cool. Ouais. Deck 6. Moi, je suis en train de visiter l'île et c'est pas mal. J'ai trouvé d'autres pastèques là. Cool. Oh, encore des blocs de fer. Et de 1 et de 2. Oh la vache, il y a carrément une grosse grotte dedans. Oh la vache. Ouais, mais on verra ça plus tard. Bon, je ne respecte pas le map ni le bateau. Je commence à tout le défoncer. Ok, bah moi je défonce les arbres. Attends. Faut le faire. À faire, briquet. Ouais, deux secondes. Pour on se demandait, c'est quoi toi ton X-Men préféré? Oh. Je dirais Wolverine. Ouais. J'adore cette capacité de se régénérer. Bon, par contre, au niveau du film, c'est tout. On pourrait dire que c'est à peu près toujours la même chose. Oui, bon, on a compris. Ils sont bien faits et tout, mais dans l'histoire, c'est quasiment toujours la même chose. Bah, ça reste quand même. Enfin, faut pas que ça parte sans n'importe quoi non plus. J'avoue, par contre, moi qui lis beaucoup tous les semaines, les anciens, les toutes premières BD et tout, disons que. Et les sentinelles étaient très, très éloignées de ce que je connais. Ouais, en fait, je te coupe juste. Oh, il y a un autre bateau là-bas, très loin. Cool. Ouais, bref. Donc, Fawin nous a informé que ça, là, l'obsidienne avec du feu, en fait, c'était. Ah mince, je sais même plus. Comment ça s'appelle? Pas du mazout, du. Tu sais, dans les bateaux là. C'est noir là, gluant qui sort des bateaux là. Enfin, tu sais, quand les bateaux ils coulent, il y a du noir qui sort. De l'essence quoi. Non, pas de l'essence. Du pétrole. Voilà, du pétrole. C'était du pétrole. Et sinon, dans l'univers des super-héros, ce serait quoi ton préféré? En fait, je viens de le dire.
Non, mais pas des X-Men, de tous les super-héros. Bon, allez, je dirais Hulk. J'adore la cape, parce que j'adore, c'est... à chaque fois qu'on le voit, c'est... par un suicide direct. Attends. Vous avez bien compris, là, on sent les enfants. Ne jamais chercher Hulk. Ouais, ok, donc d'accord, l'ingéniosité de mettre... pour faire des noix de coco, il a mis du sable des âmes. Très bien. Gros bouffon. Oui, bon, c'est bon. On remercie celui qui regarde les vidéos, qui est le créateur de la map, s'il regarde, voilà. ouais, ok. Bon, moi, je vais essayer de retourner au truc orange. Est-ce que t'as trouvé des trucs intéressants? Oui, je suis en train de piller complètement le bateau de ces blocs de fer. Ah, il y a des blocs de fer, ok. Ah, je vois qu'il y a plein de portes. Quoi, c'est le bruit de tweet? C'est même pas moi. Le pire, c'est que... Je vois ton nom qui court devant moi. Devant toi? Ouais. Tu rejoins... J'entends un bruit de zombie qui frappe à une porte. C'est bizarre. Ça, c'est chez toi? Non. C'est vraiment... Enfin, bref. Du coup, moi, par rapport aux super-héros dont on parlait... moi, j'aime bien Daredevil. Parce que c'est assez original comme histoire, quand même. Un mec aveugle. Ok, il y a des caisses de bois qui flottent loin dans l'eau. Je crois que niveau fer, on a ce qu'il nous faut. Oh la vache! Ah ouais, d'accord, il y a carrément d'autres bateaux. Non, j'ai pas de T-Lex. J'ai un gravier, oui, mais pas de T-Lex. Ah bah pose-le au sol et tu essayes de... Tu arrêtes pas de le remettre, de l'enlever, de le remettre. Ah oui, t'as vite. Et puis à partir de là, je vais ramener avec mes blocs de fer et puis hop. Ah bah voilà, bah c'est fait. Bon, allez, comment je sors? Du coup, j'en ai qu'un seul, du coup, bah ça fera qu'un seul briquet. Oh mince, je pouvais pas se tromper. Bref, en fait, je sais pas trop ce que c'est. Ah, il y a un drapeau allemand. Ah. Enfin, il me semble. Les nazis sont passés par là. Tiens, il y a un bloc de laine qui vole là-bas. Oh. J'ai une petite surprise. Attends, je. Arrête! C'est qui m'a frappé? Moi, je suis encore dans les bateaux. Mais je te jure, il y a quelqu'un qui m'a frappé. Il n'y a rien du tout. Et j'ai pas de flèche dans le corps. Je comprends pas. Oh la vache! Ah ouais, c'est carrément un paquebot avec une cheminée et tout. Et ça continue. Je sais pas du tout par où revenir vers la maison. Moi, je suis au bout du truc orange. Oh, attends, je vais essayer. Ah non, truc orange. Moi, je suis devant, je pense. Je vais essayer d'arriver devant. Ah non, mais sérieux, c'est n'importe quoi. Oh la vache, ça continue encore et encore. Et ça continue encore rien. Oh, pardon. Bref. Ça y est, je suis devant. Sinon, j'aime bien Superman aussi par rapport aux comics. Parce que les comics de Superman sont pas mal. Odyssey Comics. J'ai jamais compris pourquoi leur soi-disant guerre là, entre les Marvel et les DC Comics. J'avais même pas entendu parler qu'il y avait une guerre entre les deux. Ah, c'est pas vraiment une guerre, t'es. Bref. Bon, là, je suis devant. Ouais. Le monde a foutu les blocs de. Sinon, ce que j'adore dans les films, c'est Stan Lee quand il fait sa petite apparition. Ah oui. Toujours dans des positions, toujours dans des rôles très importants, attention. Ouais, je me souviens dans Thor, le tout premier, il jouait un chauffeur qui s'amusait, dans lequel on avait accroché le marteau de Thor avec une corde et il essayait de tirer ça avec son camion. Lol. C'est comme dans le 2 aussi, je sais plus ce qu'il faisait déjà. Dans le 2, il faisait un truc aussi débile que ça. Je sais plus du tout. Tiens, ça monte par ici. Il y a toujours des rôles très débiles. Une porte inutile. Hein? Tiens. D'accord. Bon, d'accord, je viens. Je sais plus. C'est quoi ce bug? Ah, je te vois. T'es paumé? Non, je vais me faire déconnecter du serveur. Ah! Oh purée! Ah, c'est violent comme. Et je suis rentré dans une salle, mais mec, il y a plein de mobs partout. Ah. Je suis en train de me faire défoncer en fait. Moi, je suis en train de finir les petits détails de la maison. La vache, c'est violent là-dedans. Oh. Ah, je suis en train de mourir, je vais mourir. Ah, vite, casse-toi. Crève pas.
Non. Parce que du coup, j'ai dû changer les lits de place. Ok, ok. Il ne crève pas. Ouais, t'inquiète. C'est juste un petit peu n'importe quoi. Je vais retourner sur l'île aux noix de coco et puis je vais essayer de trouver d'autres pastèques. C'est bien des pastèques, oui, c'est ça. Je vais commencer à finir. Bah là, disons que j'ai quasiment fini. Il ne me reste plus qu'à poser les blocs et tout et c'est bon. Ok, ouais, parce que Pépé Isso nous fait une... nous fignole notre magnifique maison. Voilà. Donc j'ai pas encore vu. Faudrait que j'aille voir. Il y a encore un bateau là-bas, comme d'hab. C'est ça pour avoir une petite vue absolument magnifique. Ouais, c'est très joli. Ce bateau, il a l'air tout simplement incroyable. Oh. Bon, je vais retourner à la maison parce que déjà, je vais bientôt crever, puis on va pouvoir faire notre faire ma pastèque. Attends, où ça... Wow, ça a changé en effet. C'est plus beau déjà. Puis on a rempli un des objectifs, donc faire une maison à deux étages d'au moins 20 blocs. Tiens, du coup, je te montre. Alors, ça, c'est quand tu rentres. Hein. Du coup, les deux tableaux, je les ai pris, je les ai placés. Tu montes, tu la fermes, tu sautes. Donc, et là, tac, tac. Ouais, j'ai compris. Ouais. Si ça voulait pas bugger, aïe. Mais c'est dur ton truc, pourquoi t'as mis des trappes? Ça sert à rien. Bon, regarde, ça c'est le petit espace. Bah oui, mais moi je peux pas passer, ça bug trop. Moi, la seule façon que je pourrais passer, c'est comme ça. Alors, depuis la dernière fois, j'ai réussi à trouver une pomme. Une pomme, waouh! Si ça peut nous être utile. Ouais. Parce que c'est très génial. Ah, c'est horrible, enlève ça. Non, je préfère pas. Oh la vache, les trucs de canne à sucre ont bien. Ouais, ils ont bien poussé. Du coup, je m'occupe. Pour la ferme à pastèque, on fait comment? Attends, je vais arriver. On va régler ce petit souci. D'abord, je me fais un petit arc. Là, je voudrais savoir comment je fais ma. Ferme à pastèque. Tutoriel faire des pastèques. Par Pépé Lissot. Ça se met, je sais pas, ça se met comme ça. Non. Comment on met? Comment, tu sais pas comment on met une pastèque? Non. Tu prends la pastèque, tu la mets dans le truc de fabrication de ton inventaire. Oui. Et puis t'as des graines de pastèque. Tu très bien. Prends, et tu les installes ici. Ah, je les mets le plus près possible de l'eau. Un peu rapide. Hop là. Tu prends. Après tu. Mais pourquoi t'as enlevé? Pourquoi t'as enlevé le feu? Fais ça, ça. Parce qu'il faut toujours un bloc de terre à côté. Ah, ok. Parce que après, il y aura des larves. Ça va pousser des blocs de pastèques qui vont pousser là-dessus. Merci, maître. Du coup, il fait nuit, je te propose d'aller dormir. Ouais. Bon, du coup, en tout cas, je me suis bien arrangé pour la maison. En plus, il y aura le petit étage tout en haut qui nous permettra de. Bah c'est très bien. Oh merde, je me suis raté, j'ai pas le temps de dire. Et tu vois les deux gâteaux? Oui, ils sont magnifiques. Pratique, hein. Ouais, bah pour manger ça va être pratique. Tu les as eu où? Dans un bateau, dans le bateau où j'ai pillé. Cool. Du coup je récupère un peu de canne à sucre. Ah oui, c'est vrai qu'on devait aller explorer la faille qui se trouve sous l'île. Oh là là, où est-ce que je vais pouvoir planter tout ça? Ça va être n'importe quoi. Attends. Pas ça long de l'île. Non, non, t'inquiète. Pas de petits rasés en deux arbres. Je m'occupe juste de faire pousser ça. Tac. Là, il en faut là. Ça va être juste magnifique. On aura une petite muraille de canne à sucre. C'est un peu comme, c'est un peu comme Seigneur des Anneaux. Vous ne passerez pas. Ouais. Sauf que là, c'est avec des cannes à sucre. Exact. Sauf qu'on passe hein, à travers les cannes à sucre. Ouais, malheureusement. Oui. Bon, après, quand tu as fini. Je suis pas prêt de finir vu tout ce qu'il y a, la vache. T'en as combien? Il m'en reste 17. 17? Oh là là là. Oh non, je peux pas les mettre là. Pour. Voilà. Et voilà. Aïe! À la flotte. Quel boulot. Ouais, justement, suis-moi du coup. Ouais, d'accord, tu viens de disparaître. Ah oui, ok. J'ai besoin d'un bateau ou pas? Non, tu coules là. Ah, ok. Fais gaffe à pas couler.
Ouais, mais j'ai bientôt. Je vais bientôt couler en fait. Et comme j'ai pas à manger, je vais crever. Non, passe par là, Ah, c'est bon. Ouf. Faut que je mange, j'ai rien à manger. Bon, très bien. Si, attends. Bah, non, j'ai rien à manger. Oh, du charbon. Viens au-dessus de moi. Attends, non, je vais chercher du charbon. C'est ce qu'il nous faut. Oh, il y a même du fer, oh oui, enfin. Des minerais. Laisse-moi récupérer les minerais. Récupère le charbon. Non, bah, je fais. Non, on va le récupérer. C'est pas bien. Bah, ce que je fais. Je viens de te dire. J'ai envie de faire un peu de goût. Mais casse-toi avec ta porte. Ma porte. Non. Va falloir faire des pioches en fer si on trouve d'autres minerais. J'en ai déjà. Et en plus, avec tous les blocs qu'on a, c'est bon. Ouais, oh la vache. J'ai pas fait exprès de mettre ça. Ok, donc voilà, ça c'est fait. Alors, apparemment, tout au. Dans le, justement, à l'opposé de là où tu es. Apparemment, il y aurait de la redstone. Va prendre du coup, parce qu'on a déjà pas mal de redstone, mais on pourra. Il faut qu'on fasse. Enfin, il y a les objectifs qui disent qu'on doit faire des pièges, et du coup, voilà. Mais je vois arriver au loin, et assez prochement, la fin de l'épisode, du coup, bah, je propose de s'arrêter là, et on continuera bientôt. Quand on pourra. Voilà, donc, ciao. Ciao.